Eh bien, salut tout le monde, c'est Flo de la chaîne Café Gaming. J'espère que vous allez bien avec cette canicule atroce. Les amis, alors, on va remettre la caméra tranquillou. Aujourd'hui, ce Café Collector, je ne sais plus à combien, ça sera du direct à la gueule dans l'écran. On va sortir un collector. Ah, voilà, je vais sortir le sac. Coup de pub, hein, voilà. Coup de pub marketing, toi-même tu sais, pas totalement, mais bon. Coup de pub à Gamecash, bien sûr, hein, Gamecash de Nancy. Je vais sortir la bébête. Vous la là, vous voyez bien. Ça va pas tenir debout, mais bon. Ça va pas très bien tenir, mais bon. Je crois que vous verrez peut-être ma gueule in caméra. On va peut-être décaler. Et oui, parce que. Je vais peut-être vous montrer le visage, bien sûr. Pas totalement, mais bon, voilà. Je crois qu'on ne verra pas totalement le visage. Voilà. Donc, il s'agit du Xenoblade Chronicles 2, le collector sur Nintendo Switch, bien sûr. Vous voyez le petit étiquette, ça vient des Gamecash. Donc, ça présente sur une espèce de fourreau. Voilà, fourreau. On va tranquillou défiler ça. Ah, et qu'est-ce que nous avons là? Voilà, on fait comme ça. Alors, vraiment, les dessins sont vraiment magnifiques. Comme ça, et comme ça. Le patron du Gamecash m'a montré comment ouvrir, bien sûr, sans l'abîmer, bien sûr. Alors, on va commencer déjà avec le chat qui est stressant. On y arrive plan, bien sûr. Le collector, alors, collector, hein, bien sûr, le Xenoblade Chronicles 2 contient un joli artbook, voilà, je vais peut-être feuilleter 2-3 pages, pour vous servir, mesdames et messieurs. Déjà d'une, voilà, franchement, les petits artworks, quoi. Allez, bande de petits cochons, bande de petits pervers, comme diraient certains. Allez, hop, on va sortir la perso à Pyra, bien sûr. Petit artwork de Pyra, voilà. Personnage. Et qu'est-ce que je vais mettre? Au suivant, hein, quand on choisit n'importe comment. Voilà, hop, et on choisit le lieu, franchement magnifique. Quand je vois ça, je trouve ça magnifique. Si vous voulez, un de ces quatre, pourquoi pas, je dis pourquoi pas, faire un live sur un Xenoblade Chronicles 2. J'avais fait le premier, hein, j'ai pas fait le X qui était sur Wii U. Si j'ai pas de conneries, ben, c'est le chien, ne me fais pas stresser. Souvent, je sais pas ce que je m'a dit. The boss. Vas-y. Voilà. Je vais prendre ça avec le petit truc. Avec le petit truc. Voilà. Donc, dit artwork, dit steelbook. Voilà. Le steelbook. Magnifique. Steelbook. Voilà. Le steelbook, bien sûr. Et dedans. Voilà ce qu'il y a dedans. Franchement, quand tu vois les designs et le dessin, franchement, tu te dis mais waouh. Tu te dis mais vraiment waouh. Alors, artwork, dit artwork. Après, artwork, le steelbook. Le jeu, hein. Le jeu, je l'ai neuf, voilà, neuf sous blister. Bien sûr, la jaquette arrière est en multilangue, hein, bien sûr, ici, voilà, multilangue. Ah, par contre, vous l'avez peut-être vu dehors, il n'y a pas écrit, il n'y a pas le logo Piggy, hein. Vous l'avez peut-être vu, voilà. Ah, le jeu en multilangue et, bien sûr, là, ça va être un peu chaud à l'enlever. Qu'il y a
ou si la BO, la bande son. Là on enlève tout, voilà. La bande son du jeu. Voilà. Encore sous blister. Voilà. Je sais même pas si je vais dépister vraiment le jeu. Mais vu que j'ai les jeux Nintendo Switch, j'en ai pas mal. Donc voilà la bande son. Que vous entendrez peut-être en arrière-plan sur la chaîne, hein, bien sûr. Donc, voilà. On va bien remettre tout ça correctement parce que sinon c'est la catastrophe pour je ne sais pas combien d'euros. Hein. Donc voilà, alors bande son, le jeu, steelbook, artwork. Franchement, pour un café gaming, un café collector même, on peut le dire. Collector de chez Collector, franchement. Donc tiens, le artwork, franchement magnifique. Et le chat. Rentre dans la scène du collector. Je ne veux pas te mettre méchant avec toi, le chat, mais il faut que tu te bats, parce que c'est le site du collector. Donc, collector de chez Collector. Quoi, pardon, t'as dit quoi? Wow. Plus. Ah merde. 2000 years later. Voilà. Magnifique. Je vais vous montrer une petite gravure là, ici, hein, voilà. Franchement magnifique. Je crois que c'est même aussi derrière, hein, bien sûr. Voilà. Derrière aussi, voilà. Franchement, collector magnifique. Et je crois que le prochain collector, je me prendrai soit Astral Chain. Celui-là, je vais peut-être le prendre. Peut-être le prendre Day One, même si on en a parlé avec, avec l'un ou des vendeurs et vendeuses de Game Cash. Il y en a qui sont pas tirés, ils sont pas vraiment attirés par Astral Chain. Moi je suis franchement attiré. Ça me tente très bien. J'essaie d'enlever l'étiquette de Game Cash. Comme ça je le fous très bien aux factures du jeu acheté, bien sûr. Voilà. Donc, voilà. 75 euros j'ai dépensé. Hein. Je le précise, mais parlant de café collector, il y en a vraiment d'autres des collectors. Il y aura pratiquement. Je sais que la plupart des cafés collectors, bah, c'est toujours Bibi, hein, qui a fait. C'est toujours Bibi, hein, Bibi, voilà, qui fait les cafés collectors. Hein. Bon, j'ai pas beau trouver une collector, ça serait vraiment bien. J'espère vraiment qu'il trouvera la collector la plus magnifique et la plus belle en ce qui me concerne, oui je sais, c'est ce placement de produit sur vente est très génial, voilà. Mais bon, franchement, c'est du collector, quoi. Franchement magnifique, quoi. Franchement magnifique. Magnifique collector ce que Nintendo font. Et je suis sûr que j'ai un de mes amis, il va pas être content, il va peut-être faire la gueule. Salut à lui, au poteau irlandais, voilà. Parce que je sais qu'une fois il l'a voulu, le collector. Et bah, manque de bol, c'est Bibi qu'il a pour sa full set Nintendo Switch. Pour sa full set, sa collection Nintendo Switch. Donc voilà quoi. C'est du café collector qui envoie du lourd. Et j'avais dit ça, j'avais dit plusieurs fois, j'ai dit tiens, il faut que je la fasse cette vidéo. J'avais manque de temps, bien sûr. Hein. Là, je me suis dit tiens, je suis en vacances. Je suis en vacances de 3 semaines, j'ai dit tiens, je vais tourner cette vidéo et je vais la faire. Bon, j'ai pas mal de vidéos aussi à droite à gauche. Il n'y a pas que moi qui est en retard, il y a aussi Emago, hein, on est deux dans la chaîne, Café Gaming. J'ai dit vas-y, tiens, je vais. Là, on est en vacances. Allez, Foflo, on est en vacances. On se tape une vidéo sur ce Xenoblade. Voilà. Donc le collector est. C'est le Saint Graal du collector, voilà quoi. Bon, il faut que je trouve de la place pour la mettre parce que pour l'inso je mettrai pas une étagère, mais bon, j'en parlerai prochainement dans des futures vidéos, mais bon, voilà quoi. J'en parlerai dans des futures vidéos, mais nos problèmes, nos soucis, donc voilà. Donc voilà les amis, donc je vais vous laisser et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et pour une prochaine collector. Que ce soit moi ou Emago. Moi je vous dis à la prochaine les amis et sur ce, ciao ciao.
Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café, on parle jeux vidéo.